Salut à toutes et à tous, c'est Imaginox9 pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo assez courte. Ah, pourquoi mon joystick gauche ne marche plus? Ah voilà. Alors, on est donc sur l'île de White. Et on va donc emmener les gens à la plage. C'est pas le même son que sur les manes de Sobol, ça? Attendez. Écoutez bien. Ah si, c'est le même son. Alors, c'est où la lumière pour les passagers encore là-dessus? Voilà, c'est là. Et voilà, donc je roule avec la vraie livrée. Et voilà, donc une petite vidéo assez courte. Et donc on y va. Soroc. Et donc on y va, je vous montrerai l'intérieur un peu après. Alors ça c'est bien, ils ont à la fois bien klaxon de train. Ils ont aussi gardé le sifflet du métro de Londres. Puisque bah, ce sont d'ex-métro de Londres, hein, ce sont les D-Stock. Donc oui, on fait une petite vidéo rapide sur une petite ligne rapide. On emmène les gens à la plage. Thank you.
je peux vous montrer ça ici, je vous montrerai au premier arrêt avec un évitement. Alors tant qu'on y est. Alors il faut savoir qu'il y aura aussi la fameuse classe 700 qui va sortir ce mardi. Attendez, je vais juste aller voir un truc. Voilà, j'avais entendu du bruit. Désolé les gens, c'était trop tard. Je vais me permettre un petit excès de vitesse que de toute façon il n'y a même pas. Il n'y a rien qui surveille d'autres vitesses. Allez, ouvre-toi. Normalement, on doit attendre le collègue ici. Ah non, même pas de collègue. Bon, je monte l'intérieur. Donc voilà, ils n'ont pas changé l'intérieur de quand il était métro de Londres. Hein. Ils ont juste repeint les barres en bleu alors qu'elles étaient vertes à la base et changé la texture des sièges. Mais à part ça, aucun changement.
Alors ici, pour passer, il faut pas juste appuyer comme ça, la porte ne s'ouvrira pas. D'abord, appuyez là. Un consacre idiote, hop, vous ouvrez. Ouais, une fois que c'est fermé, c'est reverrouillé. Et voilà, là il y a l'arrière. Là il y a la cabine arrière. On sait ouvrir des fenêtres. Mais bon, il y a la clim. Donc ça sert un peu à rien. Et voilà, donc on y va. D'ailleurs, on voit bien les deux niveaux sur le quai. Hein. Le niveau 1238 stock tube et là le niveau des stocks train anglais. Savoir que GW a aussi acheté des trains comme ça IRL. Dire que quelqu'un a repris l'affaire vu qu'apparemment la compagnie qui faisait la transformation de ces desktops en train a eu est allé fait faillite. Du coup, s'ils font des nouveaux, c'est-à-dire qu'ils se sont remis de la situation ou que quelqu'un les a repris. Freine tout doucement.
Alors, à savoir que pendant tout un temps, cette voie-ci n'était plus en service. Ils l'ont remise en service. Mais qu'est-ce que... Dites, je peux vous aider, madame, monsieur. Mais qu'est-ce qu'ils font? Alors ici, un petit secret là-haut. Voilà, il y a une... truc d'aiguillage à l'ancienne. Avec une petite tasse Rivet Games, un vieux téléphone et d'horloge qui marche, visiblement. Dites les gens, aller sur les rails, c'est pas une option. On est apparemment en retard, très en retard, mais bon. On est le seul train sur la ligne, visiblement, il n'y a pas de collègues. Alors que normalement, il y en a toujours au moins. Vers Smallbrook Junction, là où il y a le musée du chemin de fer de l'île de Wight. La végétation sur ce pont. C'est vraiment la map tranquille, cette map, qui se prête parfaitement au jeu des vacances.
on arrive à Small Brook Junction. Je suis arrêté pile là où il faudrait si j'avais 4 voitures. Mais je n'ai pas 4 voitures. J'en ai que 2. Et c'est reparti. Prochain ride Saint John's Road. On va arriver dans les gares de la zone de ride. Les dernières gares. Et on va déposer ceux qui veulent par exemple faire un tour dans la ville de ride. Même si la gare principale c'est Ride Esplanade. Il change pas, je suis déçu. Serait-ce le collègue? Bien la différence de hauteur. Là, c'est le quai comme il était à l'époque des 1938 stock, et là, c'est le quai tel qu'il est aujourd'hui. Y a personne. D'ailleurs, lui, il a la livrée fictive fournie avec la map. Mais le mien, lui, il a la livrée réelle de Serab. Gare ouverte le 23 août 1864. C'est vrai qu'ici il n'y a pas grand chose, il y a des petites maisons mais pas grand chose. Allez, appuie.
accrochés derrière Ride Esplanade. Je suppose que c'est là qu'ils vont pour manger, boire le thé avec ces Anglais. Et aller à la plage aussi. Et ceux qui restent avec nous jusqu'au terminus, c'est ceux qui veulent aller jusqu'au bout de la jetée. Voir la mer de plus près. Voir la ville de Portsmouth au loin. À quel point c'est serré l'espace. Ok, on va pas mettre la caméra extérieure. Mais bon, c'est ultra serré. Voilà, c'est vraiment le centre-ville. Right. Clairement le quai abandonné ici. Ce qui est dommage parce que ça servirait hein, de garder la double voie jusqu'au terminus. Là il y a le fameux Hovercraft. Là aussi on voit bien la différence de hauteur. Belle vue de toute la map. Alors je sais que la vitesse est limitée mais je m'en fiche. Les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il faut ouvre. Oh,
Et voilà. Et voilà, c'est donc sur ces images qu'on va se quitter. Enfin non, pas tout de suite. D'abord, je vais vous faire un petit tour sur la jetée. Regardez. C'est dommage qu'on n'utilise pas le deuxième quai. Voilà, des vélos de la très célèbre marque. Attendez. TSW2, et ouais, sur TSW3. Il y a même des maps où c'est encore TSW 2020 qui est écrit dessus. D'ailleurs, on peut rentrer hein, là-dedans. Regardez, hop. Waouh, les portes automatiques, c'est magique. Vous avez ici un genre d'horloge, on dirait. Ouais, c'est ça. Et apparemment elle marche. Alors dommage qu'on puisse pas sortir par là. Alors voilà, une sortie par là. Ici une autre sortie par là. Ah, donc là on a une vue sur l'île de White, qui est une assez grande île. Et normalement là-bas c'est l'Angleterre. Même s'ils l'ont pas modélisé, mais normalement il y a l'Angleterre là-bas. On ne peut pas aller plus loin. Ça c'est dommage. Alors là avant il y avait un genre de tram qui faisait l'aller-retour. Oui, ce sont des trucs pour mettre des rails de tram. Et là il y a la route qui emmène jusqu'à la prochaine gare. On peut se mettre là pour regarder les trains passer. Et il y a le fameux bus Orion anglicisé. Et voilà. Donc voilà, maintenant c'est vraiment sur ces images que l'on va se quitter. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et voilà, sur le quai abandonné, et donc sur ce. Au revoir.